Madame, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction Grand Format. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre 2023 et je suis encore très content parce que nous approchons pratiquement à la date fatidique du 20 décembre de ces élections. Dans ce grand format d'aujourd'hui, nous allons parler des ralliements des candidats président de la République. Comme vous l'avez lu dans le titre, ça fait mal à qui? Il y a eu trop de choses qui se sont dites ce week-end, des Allah qui vraiment mouvementé, l'Internet a explosé avec ralliement et Adélice Sanga vers le candidat numéro 3. Alors, le loto kolobe le loko ana, toko el sous koloba, et loko ni niango, est la République démocratique du Congo, et za kose la. Après commencement et retrait, il y a EAC, au peuple a réclamé qui de tout haut que EAC est au salam salam malamouté, donc EAC et Bandico s'est retiré. Donc voilà là les deux grands sujets que nous allons développer dans cette réaction grand format parce que c'est vraiment de l'actualité, surtout au yaba élection. Alors, on se réveille le week-end, on a annoncé, Délice Sanga annonce qu'il y aura une communication très très importante qu'il aura à faire, et il a fait cette communication-là. Il s'est rallié finalement à la candidature de Moïse Katumbi, donc il devient, combien de présidentiables là-bas? Il y a Seth Kikuni, Délice Sanga lui-même, Frank Diongo, Mata Tamponio. Donc, ça fait déjà 5 personnes qui se sont ralliées à la candidature y a Moïse Katumbi. Souvenez-vous que nous, Congolais, batu oyo bozo linga changement, batu ebele, ba réclamant que l'opposition puisse avoir une candidature commune. Quelles ont été les difficultés? Tout le monde a dit une partie, parce que batu mwa ebele ba utaka ba tindaka ba délégué na bango awa en Afrique du Sud pour baya kotala comment est-ce qu'on peut obtenir la candidature commune. C'est par là que je veux un peu développer puis na komana nuna isika wana. Ils ont délégué les représentants ou bien les gens capables qui réfléchissent dans leur parti pour venir justement voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver une candidature commune dans l'opposition. Dans quel but? Bandeko, n'oubliez pas que nous sommes en face, ils sont conscients qu'ils sont en face d'un président exerçant. Le président Tshisekedi, ce n'est pas une moindre affaire. Et Zanzo Kobo Lingibo Kweisa, Félix Azananou, Félix Azananaba place na Zako Simbela, a lingi deuxième mandat na ye. Maintenant, ce n'est pas une moindre affaire. Vous devez vous préparer pour ça. Alors, je vais vous parler un peu de cette réunion. La conclusion à la réunion en Afrique du Sud, tant que les délégués sont en Bayaka. Ils étaient délégués à Fayoulou, délégués à Matata, délégués à Ensemble, délégués, il y a, je crois, et d'autres partis politiques qui se sont réunis. Basala qui Moussala na Bango. À la fin, on leur a demandé, d'après ce qu'ils nous ont reporté, on les a posé la question, qui est le candidat commun? Et se trouva dans l'impossibilité de dire que nous ne pouvons pas prendre la place de ceux qui nous ont envoyés. Donc, le chef de parti politique, Nabiso et l'opposition, Tinda Kabiso Awa, pototala ndengeni ni tokoyiko dégager candidature commune, il y a opposition. Et puis, je crois qu'il y avait Batuanania. Il y a docteur Denis Mukwege aussi qui était présent à cette réunion-là. La réunion s'était bien déroulée. Na ba résolution nango biso nyoso totala ki yango. Tango ba résolution wana ebimi ba lobby boye na kati ya ba résolution wana. Ba pesaka 3 ba soki 4 décision ba lobby oyo tikali. C'est aux leaders, à nos leaders concernés qui devront se mettre d'accord et choisir entre eux parmi les caractères que eux
ils ont travaillé. Donc misala na bango zalaki ka ko préparer ba leader na bango ba kutana suivant nani wana koloba ke non. Nous les partis politiques biso ba intelligence ba partis politiques, nous avons jugé bon par exemple pour que vous soyez candidat commun de l'opposition. Voici les critères, ba critères wana zalaka dégagé. Et Zalaki na mesa ya chaque candidat, même Mukwege a réussi ça, même Katumbi a réussi ça, mais c'était à la veille du lancement de la campagne électorale. Moi, Kokoso et Salemi, Bayokani, il fallait, bon, pas Kokoso, mais ils avaient pris du retard. Mais les candidats ne pouvaient pas attendre que Bakoutana pour lancer la campagne électorale na Bango. Alors, tout en se parlant, pour bakutana na nuté que non face à face boy siko on a ninde tokopona tokende na nani na ba campagne électorale wana. Alors il y a pendant masolo na bango, il y a ce qu'ils ont appelé que non, on va nous allons nous observer aussi sur terrain, et c'est ça, moi je détiens ça de certains candidats politiques qui ont dit vraiment nous on ne peut pas commencer à définir comme ça sans que tomona ba œuvre à mutu na mutu sur terrain. C'est comme ça qu'ils ont opté parmi Bango, na lobite Bango Nyoso, parmi Bango, Baloba qui toque nenan on a ba campagne électorale, parce que il y a des candidats, il faut l'accepter que Bazana Bango na mbongote ya kosala ba campagne wana sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Parmi lesquels, il y avait une condition, ya koloba. Nous devons avoir la capacité de mobilisation de la foule d'abord. Capacité à candidat. Il y a leadership. Comment il entretient les foules? Est-ce qu'il est capable de s'entretenir dans les foules? Parmi les conditions pour être candidat à commun de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pris de court. Je vais vous dire le méfait de ça un peu plus tard. Parmi ça, on avait voulu voir aussi ba candidat oyo ba programme na bango pour que ba programme wana ezala harmonisé, que programme wana nde ba kopesa candidat comme ba lobi programme oyo biso nyoso tomoni ke non tokoyiko kende na ngo yango et yondo za candidat comme okokende na programme oyo, et nous allons supporter ça. C'est ainsi que certains de parmi eux se sont dit bandeko, ne faisons aucune erreur. Tokoki jamais ko kende ko sala ba erreur te akoloba ke non programme boye et puis on désigne quelqu'un en fonction du programme. Non, nous devons aussi compter le poids politique qui est une réalité. C'est ainsi que bazala ka pris de cours ba tumususu oyo peut-être que bazanga ki mongo ba komi koloba bon sikoto ba mususu ba si ba bandi parce que Katumbi lui il a démarré en trombe. Il a démarré en trombe et sur terrain pendant les deux semaines qui viennent de se passer ici. Katumbi a la kisi que non, c'est un leader. C'est vraiment quelqu'un qui veut cette magistrature suprême-là. Azako la kisa, accueilli partout, par-ci, par-là. Je crois qu'il est le candidat qui a beaucoup fait sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, na kati ya opposition. Il y avait aussi le poids politique à Batouana. Je ne dénigre pas certaines personnes, mais dans les conditions des candidats communs, c'était inscrit là-bas. C'est ainsi que, de l'autre côté, ensemble de la République, ils se sont dit, « Bisoto kozelate ke tangu batuna batuba kozala disponible, tam souba msouba za prêté, tout ça. » Mais la réalité de la candidature commune se constatera tangu toza ko cheminer na katia campagne, parce que nous n'avons plus le temps. Moutou Aza devant Bissot, Aza pe makasi, akoyiko triché, vous voyez tous ces problèmes-là que nous avions connus, Seni, tout ça, ba docteur, ba ke kofunda koutou Seni, na ba Ngoyi, wana président Ngoyi, qui ne représente absolument rien, ba tumsous ou campagne, na bango bazou salango sur réseaux sociaux. Est-ce qu'ils engagent le moyen? Est-ce qu'ils ont des ancrages na ba territoire, na ba province, na so, ya République démocratique du Congo? Parce que c'était aussi une des candidatures communes, des conditions à cause de la candidat commun. Moi, je crois que c'est différent à 2018. Alors, na ralliement wana, ezali ke batu bazali ko sala musala et puis tango komona ke en tout cas oyo nde muto a mérité. C'est ainsi que moi je pense que la décision de Délice Sanga est tout à fait normale.
Denis Sang azako sala azo sala campagne na ye malamu mais azako kende azo tala lobité pour l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo. Et puis il a expliqué ça. Il s'est dit je me désiste pas parce que je n'ai pas le moyen ou mais na monique il faut to sangisa vraiment ba force seigneur soit ensemble pour que na to se rallier. C'est ainsi que il s'est rallié à Moïse Katumbi. Et moi je ne peux pas condamner ça. C'est de bonne guerre parce que nous voyons effectivement et là qu'on y n'ezali boso na biso kokoso otoza nango pona ko gagner ba élection oyo. L'intérêt supérieur que moi j'ai aimé c'est que Delice Sanga a dit je me rallie parce que nous devons absolument gagner ces élections. Et gagner ces élections-là, ça sera que le peuple congolais gagnera. Je crois aussi, j'ai suivi cette Kikuni dans un space hier, qui expliquait en disant, effectivement, Tokenda Kikuna ezate kebisonyo tout otozaki, toza na ba poids politique, ndenge mon côté, mais vous sentez qu'ensemble, ezali parti politique moko on les a implantés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et donc, avec cet aura-là, il est pratiquement simple que tout se joindre na ba toi na baza déjà na ancrage pour que tout pesa ye pe moi makasi o muke o toza nango na rayonnement na biso to kende po to gagner ba élection wana. Nous avons suivi la déclaration du docteur Denis Mukwege. En tout cas, moi je me dis il y a quelque part un sursaut d'orgueil à Koloba. Oui, Tokutana quitté, Batouba Bandaki, ba s'autoproclamé. Moi, je ne pense pas que Katumbi s'est autoproclamé candidat commun de l'opposition. Ça, c'est une machination. Encore une fois de plus, il y a pouvoir en place en disant que non, Bomoni, Moutouana s'autoproclamé. Et là, je crois que le docteur est tombé dans un piège. Katumbi ne s'est jamais déclaré que non, Aza ko candidat commun de l'opposition. Non, Katumbi n'a jamais dit ça. Il n'y a que les autres qui se sont ralliés. C'est comme ça qu'il parle des ralliements de candidatures. Il ne parle pas de la candidature commune. Il parle d'un certain ralliement. Donc, on se désiste pour un autre candidat. Et je crois que moi, ça, c'est ma propre réflexion. Que docteur a essayé un peu d'être à côté. Moi, je pense que ces déclarations n'ont pas été réfléchies. Bah, je ne sais pas. Ça, c'est mon point de vue. Docteur a ça qui est rare. Qui a lobby que non, Katumbi a s'autoproclamé qui candidat commun de l'opposition. Et là, encore une fois de plus, ça prouve que, effectivement, la politique, ce n'est pas ce que nous attendons dans le média. Est-ce qu'il s'est fié à ce qui se passe dans le média en disant que non, voilà Katumbi s'est autoproclamé candidat commun de l'opposition? Non. Les autres se rallient derrière lui. Ils n'ont pas cité comme candidat commun de l'opposition. Les autres se rallient en disant, bon, ok, Bisso, tu seras lié derrière toi. Pour que tu gagnes ces élections-là. Quand tu gagnes ces élections-là, c'est nous tous qui gagnerons. C'est ainsi que nous parlons ici de l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo. Intérêt supérieur, il faut primer Nabilo Konyonso haut aux Osala. Alors, les Osala passent, Nanini. N'oubliez pas, Nani Angwazo Azakoyoka passe. N'oubliez pas que le président de la République, Alobaki, Bokomona Bangonyonso Bakosangana Pobabundi Sangai. Félix avait déjà dit ça. Il savait que l'opposition devrait, en principe, se mettre ensemble pour le contrer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas? Moi, je ne vois pas de nouveau. Mais plutôt, je plains aussi ces candidatures. Il y a tout haut, il y a tout haut, il y a tout haut, joindre l'opposition. Il y a tout haut, il y a justement dans les ondes du public, qui ne sort pas même dans la bouche du président. Et moi, c'est une question d'option. Et sa question à côté de la lobby, est-ce que nga moko na ko gagner ba élection à wana Congo? Vous aviez suivi, même ceux qui sont au pouvoir ont commencé même à souffler aux gens que non. Bino nyo soso ki bo sangani te, bo koki koko kanani, koko ka Félix te. So ki bo kei en ordre dispersé, vous allez perdre. Et ça, qui tactique, il y a eu des pèces, il y a pouvoir en place, il y a union sacrée à Koloba. Tout lancer un message pour que
qu'ils viennent en ordre dispersé. Mais ordre dispersé, on est qu'au bénéficié de Nanani. Nous savons tous, en République démocratique du Congo, aucun parti politique ne peut gagner les élections. Il faut qu'il y ait toujours des alliances. Même Lelo, Félix Tshisekedi, ce n'est pas l'UDPS qui va gagner cette élection. Ça, c'est ce qui Félix Azala qui sûr que l'UDPS ne peut gagner l'élection. Il ne pouvait pas faire l'union sacrée. Il ne pouvait pas faire cette union sacrée. Et il se présente comme candidat indépendant. Pourquoi? Parce qu'il ne s'habille pas d'une couleur politique, sachant que parti politique, mon côté, est coquille pour faire gagner ma élection. C'est ainsi que Nganaza Kozongela, ma camboua docteur Awa. Docteur, moi, je mets ma main à couper. Docteur seul ne peut pas remporter les élections en République démocratique du Congo. Et je l'affirme. Docteur Yé Moko Kakandenga Zalika Kalobi Yé, docteur Denis Mukwege, a gagné ma élection en République démocratique du Congo avec tout ce que nous voyons ici. Il y a une dose de politique qu'il faut voir. Ancrage Naeza Nini sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je sais que Batumsusu Bakoyinanga Awa, Balobi Kenganaza contre Denis Mukwege. Non, je ne suis pas contre. Docteur, s'il va. Dans cette optique-là, il y a Koloba. Bon, nous, les intellectuels, nous présentons ce qui est intellectuellement. Voilà le problème du Congo. Moi, je connais sur le plan international, plan Nangayangoyo, tout ça. Yomoko, docteur Denis Mukwege, je vous assure que Ekozala difficile. C'est ainsi que tous, ils se sont dit, nous sommes prêts à nous rallier, nous sommes prêts à parler de cette candidature commune qui n'était pas facile à obtenir. En fonction de tout ce que eux, ils ont fait ici en Afrique du Sud. Qui dit que nabana niwana ba procédure ouana mise en place ici que docteur Mukwege Ndalingakaza a choisi comme candidat commun. Il y a d'autres propondérants. Il y a ezana babiloko mususu au docteur azanango te et que ba parti mususu bazanango. Comment est-ce que nous allons avoir un programme commun avec tout ce bon monde qui vont se rallier? Non. Et puis ralliement, comme on dit ralliement, j'ai écouté cette Kikuni et puis j'ai aimé. Na sepela kipo na nini, parce qu'il y a lobby boy. Kikuni a lobby, na tangu tozo kende ko se rallier. Chacun a son cahier de charges. Moutouna moutouaza na ba programme na ye. Moutouna moutouaza. Par exemple, le docteur Mukwege parle de la paix, la restauration de la paix. Deli Sesanga parle de la refondation du Congo. Katumbi azana côté économique et puis les azana na la réalisation, il y a développement. Azana fugwana lobinga na côté. Il y a des points communs. C'est comme ça que j'ai dit. Cette Kikuni avait quand même raison en disant il y a quand même une certaine fusion mutuna mutuazoya. Et ainsi donc na ralliement wana soki to gagner ba élection, et il a bien dit, si nous gagnons les élections, c'est à ce moment-là que nous aurons le temps de fissonner, maintenant de nous dire voici comment nous allons marcher. Il n'était pas encore temps aujourd'hui, par exemple, signer ba acte et engagement ou quoi que ce soit. C'est toujours ça en République démocratique du Congo, malheureusement. Tokenda katosa la kabiloko, mais maintenant, lorsqu'il va falloir se mettre ensemble, tokoyo kanate. C'est ainsi que Denis Sesanga a appelé à lobby pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Nous devons apprendre à faire les choses autrement. C'est-à-dire quoi? Nous devons d'abord nous avoir confiance. J'ai aimé cette Denis Sesanga, et puis cette Kikuni l'a encore prononcé en disant Bandeko. Nous voyons les candidats. Est-ce qu'ils se respectent? Est-ce que va respecter la parole na bango? C'est une des qualités aussi des personnes, à faire confiance aux personnes. Nani ango okiko sala confiance na Félix Tshisekedi aujourd'hui? Qui peut faire confiance à Félix Tshisekedi aujourd'hui? Qui aujourd'hui se réveille à Lobibo et Lobi, à Lali et Komi, à Lobibo? Sur la place internationale, on le connaît comme quelqu'un qui ne sait pas, il tâtonne. Mais parmi ceux qui sont, ceux qui ont rejoint Nani Katumbi aujourd'hui, ce sont des hommes intègres. Et moi, j'ai dit dans l'espèce en disant, Bandeko, moi, je ne vois pas ces gens-là se rallier à Moïse Katumbi et dire que Moïse Katumbi n'aime pas ça, ou bien ils vont se rallier parce que Katumbi a un bon côté.
est-ce que Katumbi, ce n'est pas un homme de parole? Est-ce que Katumbi a salaka oyo alobakate? Est-ce que Katumbi a respecté ka engagement na été? Regardez ce que Katumbi a fait depuis 2018 en voulant mettre les Congolais ensemble pour une meilleure, un meilleur Congo pour que to gère mboka malamu. Il est même venu à la rescousse de Tshisekedi lorsque la création de l'Union sacrée était là. Qu'est-ce que Nailo Kouan, est-ce que nous ne pouvons pas lui faire confiance? Et puis, ce que j'aime encore na Bato Bazako Seralié na Katumbi, ils font confiance à Katumbi. Et je crois que Katumbi ne vont pas le décevoir. Ata balobi que Katumbi est intellectuel, te batunini. Katumbi a besoin avec cette aura-là de technocrates. Batunyoso, ba Olivier Kamita, tu bazali wana. Bazapé n'a pas besoin de matata. Ils ont besoin des gens, des hommes comme Delice Sanga. Et ils ont dit que la porte n'est pas fermée. Et ils attendaient. Écoutez le discours de Moïse à Bukavu. Moïse a lobi bandeko. Biso tozan a besoin de docteur. Docteur Aya. Et docteur, moi je ne pense pas que okokiko tiama pekalikolo parce que nga docteur kaka boengai naza prix Nobel. Bien sûr, vous avez un aura international, mais cette opposition d'aujourd'hui a besoin de cette aura là. Apport na yo na kati na bango et ko sala ke non. Bo tiaba programme na bino programme ya paix qui est vraiment bien. Ce qui bo sangisi ba mayele wana, je crois que nous pourrons avoir équipe moko ya makasi pour to apporter changement na République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que un pinch à Katumbi. Katumbi c'est un homme qui fait des actes et nous avons besoin ya batuana ya koloba to bandi eloko to kosilisa yango. To bandi to lobaki to kosala to sali yango et Katumbi ya ça. C'est un leader, il ne faut pas le lui arracher, et on ne peut pas le dénier. Toki ko dénier eloko wana te. Katumbi moi je pense que na kati ya groupe wana soki ralliement ezali malamu, il y aura moyen de s'entendre à la fin ya koloba. Voilà les capacités de quelqu'un, voilà les capacités de l'autre, voilà les capacités qu'on va le mettre ensemble pour que to créer siko programme Mobimba. Nous avons encore le temps. Nous avons encore le temps. Lorsqu'on va proclamer le résultat et que c'est l'opposition qui gagne, ils auront suffisamment le temps et le moyen maintenant de se dire Bandeko boya sikoyo to examiner et puis on va signer maintenant ce que ben intellectuel bazako exiger que nous allons signer un acte d'engagement ya koloba to gagner biso tout ba élection. Ce n'est pas seulement Katumbi qui va gagner et puis il est dit Katumbi n'est pas hautain. Katumbi mutuaza ko sala makasi ya yeko la balange ya batu. Katumbi ki se ba en disant que boya to sangana. Katumbi a laissé la porte ouverte. Disons ce n'est pas Katumbi qui laisse la porte ouverte, mais le ralliement est pratiquement encore possible. Allons-y maintenant du côté de Tshisekedi. Bakomi ko injecte babilo ko msusu a koloba keno, bazana Fayulu, tisa, tout. Fayulu de son côté il dit, si aujourd'hui Tshisekedi, ça c'est une porte ouverte, il faut vraiment faire attention. Si Tshisekedi aujourd'hui se désiste pour Fayulu, Fayulu dira, il a lobi que akosepela parce que Bokonziwana Félix Aibaki a zongisi yango. Fayulu aussi c'est un poids politique. Mais quel est l'intérêt maintenant pour nous? C'est comme ça que je disais dans le titre, Ezobangisanani, intérêt za wapi. L'intérêt, hein, moi ce que je veux vous dire ici, l'intérêt est à Moko, que cette opposition puisse gagner. Ils à la Katumbi, ils à la Fayulu, ils à la Moko. Danger Zali, Moko a kende koloba ke non, nga mutuna gagne. Je suppose, nazako suppose ke non, basali ba manyanga, balekisi Fayulu, aleki comme candidat président de la République. Vous savez ce qui va se passer? Tokozala lisusu na ba accord entre Félix Tshisekedi na Fayulu. Et kozala neti Fayulu ndeza dauphin na ye. Fayulu aboyita kozwa bokonzi wana. Mais ako dirija ngo ndenge nini? Ako dirija ngo ndenge nini? S'il ne se rallie pas avec les gens qui ont du punch, Fayulu seul aussi ne dirigera pas ce Congo. Fayulu aura besoin des gens. A kozala na besoin à batu. Et les personnes, moi, que je pense que Fayulu a kozala na bango besoin, bango anande mtu bazana kati opposition. Alors, pour moi, il est temps à ce que le gros pointure Fayulu na Mukwege va se rallier pour le numéro 3 pour que eloko anaza la complet. Ils auront une équipe très complète, très compétente, et puis une équipe qui sait exactement ce qu'il doit faire.
bayebi eloko nini ba kende ko sala, bayebi eloko nini ba kende corriger. Mais si Fachi continue, c'est ça sera la continuité qui moibie ko continuer, ba même kasik wana o tozo linga to buton to bengana, ba kozonga bangonyo se puis ba kozonga lisusu en force. Ils vont rentrer en force et puis bokole la siko ya bien bien parce que ba kozala na programme te kozala siko bomoni to gagner bino bomoni bokoyoka et kozala neti kaka boebo parce que jusque là ce qui toza ko continuer na Félix Tshisekedi na ndenge tozo kende alobito consolider ba ki quels sont ces acquis là. L'acquis, c'est les acquis, ce sont la médiocrité, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que to continue na tozo sala na kibudi kibudi to bandia wa to tongia wa to bambinzela wa to saliboe, le changement réel ne viendra pas. Alors pour terminer bona sili selo kwana na kota na siko na kolzala pe mukuse vraiment na likambo ya départ ya nani ya EAC bandeko l'EAC c'est une continuation de la CPGL de l'AFDL et ça continuation. Pour ceux qui sont en train de suivre les vidéos au Batwazo Kundola Nakati, l'histoire maintenant est connue. Comment les autres s'arrangent à ce que Bakata Kongo Ango. Les autres s'arrangent pour que vraiment Batwazo Bakozala na Kongo va comprendre l'idéologie na Bango. Et cette idéologie-là profite à qui? Ça profite justement à ce pays-là de l'Est. Ils ont profité par Burundi, ils ont profité par Rwanda, ils ont profité par Ouganda, ils ont profité par Kenya, tout ça. Parce que le business qu'ils veulent faire, c'est au Congo. Dans ce désordre, si le Congo s'est normalisé, le rapport sera en tout cas vraiment très grand. Bon, comment on a bien dit que ce qui vraiment frontière Nabiso, ils ont fermé, et que tous ont contrôlé à Batou Nabiso Nakati, nous aurons à faire du bon business chez nous. Parce que les gens là veulent faire le business dans le désordre. Ils gagnent beaucoup plus d'argent en République démocratique du Congo. Nandenge tozali boye, baganyaka mingi koleka soki Congo eza en ordre. Soki Congo eza en ordre, eza ko contrôler population naye, eza ko contrôler ba minerai naye, eza ko contrôler territoire naye mobimba, na ba richesse naye, ekubanda ko bima na Rwanda bongo te. Et kubanda ko kende te batwana bakubanda siko ko futa et que mbongo ode eza ko kota et ko servir na l'état pour que biso moko to tonga ba balabala, biso moko to tonga ba hôpitaux, biso nyoso to tonga business parce que le Congo se suffit même lui-même. Le Congo peut être bien sans tous ces pays là. Batwana nde mutu bayaka ko luka biso pourquoi parce que bayebi ke toza na désordre. Alors départ wana le peuple en avait marre. Pourquoi? Parce que tant que biso tozo kota na EAC, nous n'avons pas réfléchi. Nous n'avons pas mis les contours et les détours à entrer na biso na EAC. On n'a jamais réfléchi. On nous a embarqué dans une histoire qui a commencé, comme je vous ai dit, na katia ba CPGL, communauté de l'Afrique centrale, tout ça, pour que toza la communauté moko. Ainsi, le Congo ne pourra pas se battre contre le Rwanda, ou bien le Rwanda ne pourra se battre contre le Congo. Mais tant que Babylon, comment est-ce que ça, la Kokoso, c'est une débaguerre comme Ikoya, on voulait maintenant nous imposer ça par force. Awa tozo lo babakei. Le terrain reste comment maintenant? Gestion y a pas territoire, nous entendons, nous apprenons que effectivement le M23 commence à se déployer place au EAC Tika. Donc M23 a comme occupé ba territoire, c'est un grand problème. Avons-nous les capacités de conquérir ce territoire là? Est-ce que ce n'est pas encore une machination de l'autre côté de ceux qui nous agressent? Ils se sont dit nous allons nous replier. Totikali, d'ailleurs même, il y a beaucoup de flash, il y a ba warning, donc batuba komi komona qu'effectivement, Goma et Koki maintenant ko tombe facilement, parce que EAC est alité. Entre temps, Sadek et Zoyate. Pourquoi encore nous allons faire appel à la Sadek? Pona nini? Est-ce que nous, oh, baza ko ebisabiso, oh, que le phare de César ko monte en puissance, est-ce que ça l'okuta, est-ce que ça y a solo? Bandeko, nous devons nous remettre en question. Babiloko toza ko sala, il faut toye baka impact na ngwezali nini. Nani angwa ko sili sa sikoyo? Comment est-ce que cette histoire-là terminera? Pour terminer cette émission d'aujourd'hui, la conclusion, elle est toujours simple pour moi.
Simple, c'est quoi? C'est qu'il faut organiser le Congo en interne. Tolukama solo, otokobeta, ezala Congo ya sika ya solo. Congo ya sika, Congo ya makasite, mais Congo ya sika. Moi, je pense que Congo ya sika wana, il faut to engager ba discussion en interne. Prenons une décision. Nous avions demandé à Félix Tshisekedi à engager les discussions en interne sur le changement de la constitution. Ah, il faut engager ma discussion, Anna. Pourquoi? Parce que c'est sur cette constitution-là qu'on va terminer le problème. Il y a ma frontière, Nabiso. Nous allons déceler Babylon, qu'on y n'y a pas de Kuna. Par quoi? Par l'identification de la population. Ça, c'est un programme que Denis Mukwege nous avait parlé dans un space en disant que ça doit être un programme de gouvernement. Moi, je dis que ça doit être une loi. Ça doit être une loi fondée, prise par les comités, de les communautés de base, en disant tu ne peux pas être sur mon territoire si tu n'es pas identifié. Et nous devons t'identifier. Et Mutuna Mutufois à la identifiable. Lorsque nous n'identifions pas les gens, c'est comme cela que Tozaka Kanakati a trouble. Il faut absolument que ça soit une loi et que ça soit dans le projet, dans la constitution. Toye ba Congolais anani na Congolais ananité. Nous pouvons terminer la guerre par cette assertion-là. J'avais proposé ça dans le temps en disant Félix Tshisekedi, comme tu ne veux plus parler avec les groupes armés, fais à ce que la population parle avec ces groupes armés. C'est en créant ce que nous appelons les états de lieu de chaque territoire. Dans chaque territoire, bato ba simba mandoki, boya ko déposer mandoki na bino, bolobi bon, ok, tout ça la masolo na nous, comment est-ce que nous pensons gérer notre territoire. Mutuna mutungwilingo masoko zalaka mutwa ruchuru yona ruchuru bakoye tuna balobi oke biso ato zako identifier nanu batu ya ruchuru yo zana nonga naza mutu ya bakongo oke va t'identifier au bakongo va t'identifier au bakongo ou soit si tu n'as pas le pouvoir d'aller au bakongo nous allons créer un database ici qu'on va demander la vérification au bakongo parce que c'est un processus pour donner la carte d'identité à quelqu'un. Il ne suffit pas tout simplement à Ekoloba que non, papa, na botama, na loué, bo, na botama, na boté. Tu vas déclarer ça, mais nous allons vérifier ce que si ces informations-là sont vraies. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, cette tâche-là devrait être donnée aux états de lieu de chaque territoire. Ba groupe à 300 personnes, on en a chaque territoire. On va kovanda, pour ba solo la ma solo, on a ya balobi, identification. Nous devons le donner les moyens. Ba tout nyo so, on va se déplacer, on a nazamu nande, na vanda na ba Congo. Oui, on va t'identifier là-bas, mais pour te donner la carte d'identité, ces informations que tu dois donner devraient être vérifiées par l'équipe de droit. Bah, on va zana boutembo, bah, on va koyer, bah, on va ah, ok, muto tomoni azala kabwa, sita ki tel porcent avant d'akabwa, ah, tel, toye biango. Il y a moyen de le faire aujourd'hui. Et c'est par là que nous nous sommes dit, on a ndekosili ça, bah, makambu, oh, ya koya na pouvoir par devoir. Tortueuse autoyébité, mutu autoyébité, député autoyébité, les comités de base devraient résoudre ce problème-là. Il y a identification et la réécriture d'une nouvelle constitution. Bandeko, je vais m'arrêter ici. Réaction grand formaise à la cave, inerte. Nous sommes encore en train de nous organiser pour que tous allons avoir une émission live. Et je suis très content parce que on dirait que je commence à captiver votre attention. Les ralliements ou bien les ralliements ou bien les abonnements ont monté. Batoubaza ko s'abonner et Pessinga sous ma casse. Et Pessinga pe et lokomoko ya Sengo. Continuez vraiment à vous abonner. Abonnez-vous nombreux et puis surtout partagez parce que tant que nous sommes dans le groupe, nous avons une vidéo qui est comme dans le groupe, nous avons une vidéo qui est comme dans le groupe. Effectivement, c'est ça justement parce que l'idée est vraiment bonne. L'idée est bonne, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, comment nous pouvons y parvenir pour essayer un peu de régler le problème de la République démocratique du Congo. Donc, merci beaucoup. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien et bon début de semaine. Au revoir.